Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de la saga littéraire du Sorceleur. Aujourd'hui, nous attaquons le quatrième roman, intitulé Le Temps du Mépris, qui fait partie de ceux que je préfère. C'est un des tomes les plus importants de la saga, qui cristallise toutes les intrigues qui ont débuté dans les romans précédents en un climax des plus intenses. Comme pour le précédent roman, je résumerai chaque chapitre avant de vous donner un avis un peu plus détaillé en fin de vidéo. C'est parti pour ce quatrième tome. Dans ce premier chapitre, nous découvrons un nouveau personnage nommé Applegat. Il est coursier royal du roi Demawen d'Edirne, c'est-à-dire qu'il transmet des messages secrets, de monarque à monarque, de manière orale. Les rois communiquaient normalement entre eux par l'intermédiaire de la magie, mais les informations qu'ils s'échangent désormais grâce au coursier ne doivent absolument pas parvenir aux magiciens. C'est une méthode de communication archaïque, mais qui a l'avantage d'éviter que des messages écrits se retrouvent entre de mauvaises mains. Applegat et ses missions sont le fil conducteur de ce premier chapitre. Sapkowski avait déjà utilisé cette technique de narration dans le premier recueil de nouvelles, où le fil conducteur était le séjour de Geralt au temple de Melitele. Dans ce chapitre, Applegat va voyager à travers les royaumes du Nord et croiser nos héros, et leurs aventures vont habilement se mêler aux siennes. Je vous propose ainsi d'analyser ce fil conducteur de manière chronologique, à l'aide de la carte du continent. Applegat est tout d'abord chargé par son roi Demawend de délivrer un premier message au roi Foltest de Téméri. Il voyage plusieurs jours à cheval depuis Hag en direction de Maribor, la capitale d'été du roi. Dans le village de Zavada, aux alentours des Landers, il croise la route de Yennefer et Ciri dans une auberge. Après une brève conversation avec Ciri, celle-ci entre en transe et lui prédit sa mort de manière cryptique. Applegat est perplexe, mais il reprend sa route sans perdre de temps. Une fois arrivé à Maribor, il transmet le message suivant au roi Foltest. Tout est prêt à Dol'Angra. Les travestis attendent le commandement. Délai prévu, deuxième nuit de juillet, après la nouvelle lune. Les barques doivent accoster deux jours après sur l'autre rive. Lors de leur réunion secrète quelques jours auparavant, qui est mentionnée dans le roman précédent, les rois du Nord avaient convenu de faire croire à une agression de Nilfgaard, afin de justifier d'entrer en guerre contre l'Empire. Ce message confirme la mise en place du subterfuge, et le nom de code travesti fait référence aux armées d'Edirne qui se sont déguisées en soldats nilfgaardiens. Le roi Foltest lui transmet la réponse à donner au roi Demawend. Primo, suspendez les opérations. Les astucieux ont convoqué une assemblée. Ils doivent te rencontrer et délibérer sur l'île de Taned. Cette assemblée peut changer bon nombre de choses. Secondo, les recherches pour retrouver le lionceau peuvent être abandonnées. C'est confirmé, le lionceau est mort. Les astucieux sont le nom de code donné aux magiciens. Et le roi Foltest ordonne de suspendre le piège en attendant de connaître les résolutions décidées par les mages durant leur assemblée. Applegat se met en route en direction de Wengerberg, et il manque de croiser Geralt de quelques heures. Les badauds lui racontent qu'il a tué une manticore qui bloquait la route, puis il a pris la direction de Dorian. À Dorian, justement, nous retrouvons Geralt. Il a effectué plusieurs contrats pour réunir suffisamment d'argent pour se payer les services de Codringer et Fenn, des avocats d'un genre particulier, qui lui fournissent des informations sur Jens. Ancien étudiant de l'école des sorciers de Banard, il s'est fait renvoyer au bout de 2 ans, puis s'est enrôlé comme espion de Kedwen. Il fut ensuite emprisonné sous le règne de Calandre de Sintra, et fut libéré grâce à un bienfaiteur inconnu. L'avocat laisse entendre que ce bienfaiteur est certainement un puissant magicien, qui a longuement enseigné la magie à son apprenti, et dispose de moyens considérables pour retrouver Ciri. Il informe Geralt que les rois sont aussi à sa recherche, et qu'il a fait croire aux agents témériens que la jeune fille est morte il y a quelques années de la diphtérie. Cependant, cette rumeur n'est pas suffisante pour faire complètement cesser les recherches, et il lui propose 2 solutions pour mettre Ciri à l'abri. La première, c'est de mettre les traqueurs sur la piste d'une jeune fille noble de Sintra, orpheline de guerre, et ressemblant énormément à Ciri. Mais Geralt refuse tout net de sacrifier une innocente. La deuxième solution, c'est de faire croire qu'elle n'a aucun droit sur le trône, en dévoilant que son père n'était pas fils de roi comme il le prétendait. La mère de Ciri aurait donc commis une mésalliance en l'épousant, et sa fille ne pourrait prétendre au trône de Sintra. Geralt n'est pas convaincu, et lui demande ce que signifie l'expression « l'enfant de sang ancien ». Fenn lui explique que l'origine vient d'une ancienne prophétie elfique, la prophétie d'Itlin, mais il est incapable de s'en rappeler. Geralt négocie avec les avocats, afin qu'ils décryptent les livres anciens et cette prophétie, et avant qu'ils partent,
Codringer l'informe que Yennefer et Ciri sont en route pour l'assemblée des sorciers, sur l'île de Taned, et que des mercenaires sont à leur trousse. Il lui indique le bourg d'Ankor et lui conseille de rester sur ses gardes. À Ankor, justement, nous retrouvons notre fil conducteur, le coursier Applegate. Il n'est finalement pas allé à Vengerberg, car il a reçu l'ordre d'échanger son message avec celui d'un autre coursier, certainement pour brouiller les pistes. Il doit désormais transmettre un message du roi Demawend au roi Visimir de Redani et se rend à Tretogor, la capitale du royaume. À l'auberge d'Ankor, il fait la rencontre de Geralt, qui tend une embuscade aux trois mercenaires à la recherche de Yennefer et Ciri. Le sorceleur tue les trois assassins, sans parvenir à obtenir le nom de leur commanditaire. Lorsque Applegate arrive à Tretogor, il transmet à Dijkstra, le chef des services secrets rédaniens, le message adressé au roi Visimir. Primo, les travestis sont prêts pour la deuxième nuit de juillet, après la nouvelle lune. Veille à ce que Foltest ne fasse pas n'importe quoi. Secondo, je n'honorerai pas de ma présence l'assemblée des astucieux sur l'île de Taned, et je te conseille d'en faire autant. Tertio, le lionceau est mort. Dijkstra lui donne ensuite le message à transmettre au roi Demawen. Contenir absolument les travestis. Il y a eu trahison. La flamme a réuni une armée à Dol'Angra et n'attend qu'un prétexte. Ce message ordonne d'annuler le piège préparé par les rois, car la flamme, autrement dit l'empereur du Nilfgaard, avait anticipé leurs actions et avait réuni une armée à Dol'Angra. Un traître travaillerait également avec l'empereur. Déclencher le subterfuge aurait ainsi pour conséquence une guerre immédiate, ce qui serait une catastrophe pour les monarques du Nord qui ne sont pas prêts à y faire face. Malheureusement, la prédiction de Ciri qui avait hanté l'esprit d'Applegate finit par se réaliser lorsque des scoyatelles l'abattent d'une flèche, l'empêchant ainsi de délivrer le précieux message à son roi. Nous verrons par la suite les terribles conséquences que cela engendrera. Le deuxième chapitre se focalise sur Ciri et Yennefer, qui arrivent à Gorzvelen après un long voyage incognito. La magicienne veut inscrire Ciri à Arethusa, la célèbre académie de magie, située sur l'île toute proche de Taned, malgré les réticences de la jeune fille qui souhaite retrouver Geralt. Lors de leur halte à Gorzvelen, Yennefer se rend à la banque d'un de ses amis, le nain Giancardi. Lors de leur entretien, le nain explique que d'étranges mouvements financiers et fiscaux laissent à présager de l'imminence d'une guerre avec l'Empire du Nilfgaard. Il lui rapporte également que Geralt se trouve non loin d'ici, dans le village d'Irundum, pour remplir un contrat. Alors que l'entretien prend une tournure plus secrète, Yennefer accepte que Ciri sorte faire un tour en ville, accompagnée d'un jeune employé du banquier, nommé Fabio Sax. Fabio fait visiter la ville à Ciri et lui montre l'île de Taned, sur laquelle se trouve Arethusa, l'académie de magie. Il lui explique que les adeptes ne sont pas autorisés à en sortir durant leur longue formation, ce qui perturbe fortement Ciri. Elle lui demande comment se rendre au village d'Irundum, puis ils continuent leur promenade. Ils profitent du marché pour se restaurer et visitent le stand d'un forain exposant un basilic. Ciri se rend compte qu'il s'agit en fait d'une wyvern et confronte le forain en public. La cage du monstre cède, et avant qu'il ait le temps de tuer les badauds, Ciri le neutralise. Elle utilise l'amulette d'invisibilité fournie par Yennefer pour échapper à la garde, mais elle attire l'attention de deux magiciennes qui la confondent avec une élève d'Arethusa. Elles sont sur le point de la punir pour s'être échappée, mais Fabio explique qu'elle n'est pas une adepte, mais l'élève de Yennefer. Après avoir amené Ciri auprès de Yennefer, les deux magiciennes les invitent à l'auberge. La première se nomme Margarita Lohanti, et elle est la directrice d'Arethusa. La seconde est Issaia de Vris, l'une des membres du chapitre des magiciens que nous avions rencontré dans le tome précédent, et qui était l'ancienne directrice de l'école. Elle est appelée Archimaîtresse, ou Maîtresse Suprême, ce qui laisse deviner qu'elle est certainement la magicienne la plus puissante du continent. Les trois adultes passent la soirée à boire et à cancaner sur leur vie sentimentale, et Ciri profite de leur inattention pour s'échapper. Elle prend la direction du village de Irundum, mais elle n'est pas tranquille et a le sentiment d'être traquée. Elle se sent inexplicablement attirée par Tor Lara, aussi appelée la Tour de la Mouette, située au sommet de Taned. Un orage se déclenche et soudain, des centaines de cavaliers fantomatiques jaillissent du ciel. Leur chef s'adresse à Ciri et lui offre de rejoindre leur cavalcade, car elle est l'enfant de sang ancien et tel est son destin. Ciri le rejette et prend la fuite, poursuivi par les spectres. À Irundum,
Gérald et Jasky s'inquiètent devant le soudain changement de temps. Le sorceleur se rend compte que quelque chose n'est pas normal et que ces éclairs sont provoqués par quelque chose de puissant, la chasse sauvage. Il entend le bruit d'un cavalier qui arrive à toute allure, poursuivi par d'autres, et se précipite à sa rencontre. Yennefer surgit soudain d'un portail magique et lance une incantation qui vient frapper et chasser le brouillage magique qui entourait le cavalier. Ils sont stupéfaits lorsqu'ils reconnaissent Ciri, et celle-ci, ne sachant vers lequel se tourner en premier, fait semblant de perdre connaissance. Le lendemain, elle espionne les deux amants lors de leur conversation, et grâce à l'aide de Jasky, nous comprenons qu'ils se sont finalement réconciliés. Ce troisième chapitre est véritablement fascinant, car il nous plonge au cœur de l'Assemblée des Magiciens du Nord, du point de vue de Gérald. Nous découvrons que l'image que notre sorceleur a des magiciens n'était pas tout à fait fausse. Ils sont pour la majorité hypocrites, manipulateurs, orgueilleux et opportunistes. Le sorceleur n'est absolument pas dans son élément, même au bras de Yennefer, et devient l'objet de curiosités et de provocations diverses. Si les sorciers considèrent Gérald avec mépris, ils découvrent bien vite que c'est un homme qui a une éloquence certaine, qu'il n'a pas peur de faire face aux tentatives visant à l'intimider. Fort heureusement, le sorceleur retrouve des visages familiers lors de cette réunion, comme Triss Merigold et le magicien Dorgaré qu'il avait rencontré lors de la chasse au dragon, dans le deuxième recueil de nouvelles. Il retrouve également Philippa Ellar, qui s'excuse pour les événements de leur dernière rencontre, et lui promet de lui livrer Riens dès le lendemain, sans plus de détails. La magicienne est accompagnée de Dijkstra, qui tente d'interroger le sorceleur sans grand succès. Il lui fait remarquer qu'il est étrange qu'aucun monarque ne soit présent, mais que tous les espions royaux aient été invités par le magicien Vilgefortz. Gérald écourte la conversation, car il estime que l'événement ne le concerne pas. Le chapitre des magiciens fait ensuite son entrée parmi l'assemblée, et Yennefer lui détaille qui sont les cinq magiciens qui le composent. Le premier est N. Gedimbeith, le plus vieux mage encore en vie. Son âge exact n'est pas connu, mais beaucoup estiment qu'il a déjà vécu plus de 500 ans. La deuxième, Tissaia de Vries. La troisième est Francesca Findaber, une elfe de sang pur, considérée comme la plus belle femme du monde. Le quatrième est Arto Terranova. Enfin, le cinquième est Vilgefortz de Roggevin, le membre le plus influent, considéré comme jeune par ses compères, ce qui veut dire qu'il a moins de 100 ans. La seconde chambre décisionnelle se nomme le Conseil. Elle est également composée de 5 membres. Ferkat de Sidaris, Radcliffe d'Octenfurt, Carduin de Lannexter, Philippa Ellart, et enfin Yennefer. Ce sont à ces deux chambres que reviendra la tâche de se réunir pour prendre des décisions d'importance. Plus tard dans la soirée, le magicien Vilgefortz émet le souhait de discuter avec Gérald en tête à tête. Il le conduit dans une galerie remplie de tableaux représentant de grands événements liés à l'histoire de la magie, et leur discussion semble tout d'abord banale. Elle prend très vite une allure personnelle quand le magicien montre à Gérald le portrait de Lara Doren Ebshiaval, une elfe Anne Severn, qui a les mêmes yeux que Ciri et qui est vraisemblablement son ancêtre. Il devient ensuite évident que le magicien sait énormément de choses au sujet de Gérald, et il finit par lui proposer de s'allier avec lui pour survivre à l'affrontement qui se prépare. Gérald explique qu'il n'est pas concerné par les histoires des magiciens, mais Vilgefortz lui rétorque que c'est le seul moyen pour lui de protéger Ciri. À la fin de la soirée, Gérald et Yennefer passent la nuit à Arethusa, tandis que Ciri et Jasky sont au niveau inférieur, à Loxia. Le sorceleur lui rapporte sa conversation avec Vilgefortz, et ses propos qui résonnent comme des menaces à ses oreilles. Il avoue être inquiet pour Ciri, et doute de pouvoir la protéger convenablement. La magicienne le rassure, en lui disant que Ciri sera hors de danger une fois inscrite à Arethusa, mais Gérald n'a pas l'esprit tranquille. Nous attaquons à présent le chapitre qui est pour moi l'un des plus intenses de la saga, et qui marque une véritable rupture dans l'histoire de Gérald et Ciri. Il y a énormément de choses qui s'y passent, mais c'est surtout la tension que Sakoski a brillamment fait monter jusqu'à présent qui éclate enfin. Il est tout d'abord essentiel de comprendre comment est organisée l'île de Taned. Elle est décrite comme étant une ziggourat, un édifice qui se présente sous la forme d'une tour à plusieurs étages. J'ai donc préparé ce magnifique dessin fait avec PowerPoint pour appuyer mes explications. La ville de Gorzvelen, par laquelle Yennefer et Ciri sont arrivés, est reliée à Taned par un pont suspendu. Ce pont mène à la base de la montagne, là où se trouve le premier niveau de l'île.
le palais Loxia. En vue de l'assemblée, les élèves d'Aretusa ont été temporairement transférés à Loxia. C'est là que Ciri et Jaskier passent la nuit. Aretusa, l'école de magie, se trouve au second niveau. Les participants à l'assemblée et leurs invités sont logés dans l'école, et c'est là que Geralt et Yennefer passent la nuit, bien qu'ils étaient censés rejoindre Ciri et Jaskier à Loxia. Garstan est le troisième niveau. C'est l'endroit réservé aux membres du chapitre et du conseil, et là où ils siègent lors de la prise de décision. Garstan est enveloppé d'un blocus antimagique afin que les délibérations se passent sans violence. Torlara, la tour de la mouette, est située au sommet de l'île. Elle serait reliée par un portail à la mystérieuse Tor Zirael, la tour de l'hirondelle, qui est le siège mythique des mages et des sages elfiques. Le portail est tellement chaotique et dangereux qu'il a été bloqué, et la magie est interdite à l'intérieur et aux alentours de la tour. Nous retrouvons tout d'abord Ciri, qui est en plein rêve divinatoire. Elle se retrouve dans la peau du chat de Codringer et Fenn, les avocats que Geralt a engagés au début du roman. Codringer a réussi à percer le mystère autour de Ciri et de la prophétie d'Itlin. Il explique à Fenn qu'elle serait une descendante de Falca, un personnage maudit par l'histoire, qui a été cause de massacres dans le passé. La prophétie dit qu'un vengeur né de son sang détruira le vieux monde et en reconstruira un nouveau. Pour lui, il est clair que ce vengeur sera le fils de Ciri, ce qui explique pourquoi l'empereur de Nilfgaard cherche désespérément à la capturer. Ils sont interrompus par des hommes envoyés par Jens, qui tue Codringer. Ils dérobent plusieurs documents, dont le portrait de la jeune fille qu'il voulait faire passer pour Ciri, et mettent le feu à la maison, condamnant ainsi Fenn à mourir brûlée. Durant cette même nuit, un putsch a lieu au sein de la confrérie des magiciens. Un groupe mené par Philippa Eilhart, Dijkstra et des soldats rédaniens fait arrêter plusieurs magiciens accusés de travailler pour l'Empire et d'être des traîtres. Parmi eux, il y a un membre du conseil, Ferkat, ainsi que trois membres du chapitre, Francesca, Arto et Vilgefortz, le cerveau des opérations. Les quatre accusés sont menottés avec des fers au dimérite, un métal rare qui annihile les pouvoirs magiques. Ils sont emmenés à Garstan, le niveau supérieur de Thaned, où le blocus antimagique les empêchera de s'échapper, en attente de leur jugement. Par le plus grand des hasards, Geralt est témoin de ce putsch et est fait prisonnier par Dijkstra. Ce dernier veut l'emmener à Loxia, afin qu'il récupère Ciri pour l'amener auprès du roi Visimir. Mais Geralt parvient à se débarrasser des soldats et de Dijkstra. Jaskier le rejoint à ce moment et l'informe que Ciri a disparu. Il lui donne son épée et celle de la jeune fille, et Geralt l'exhorte à s'enfuir le plus loin possible de l'île. Quant à lui, il retourne dans la chambre où Yennefer dormait profondément lorsqu'il est parti, et découvre qu'elle aussi a disparu. Geralt est perdu, et il ne sait pas si la magicienne fait partie des alliés de Philippa, ou bien si elle aussi les a trahis en s'alliant avec Nilfgaard. Pendant ce temps, à Garstan, Philippa poursuit ses accusations envers les magiciens alliés à Nilfgaard. Tissaia de Vris exige des preuves, et demande à Yennefer de faire venir Ciri. Celle-ci entre en transe devant l'assemblée, et révèle à tout le monde que cette même nuit, les armées des royaumes de Lyrie et des Dirnes ont agressé l'Empire à Dol Angrah. L'Empereur a répondu à cette agression en envoyant son armée dans ces deux royaumes. Philippa et ses soutiens sont stupéfaits, et laissent échapper que le roi Visimir avait ordonné de suspendre l'attaque. Mais comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, le coursier qui devait transmettre le précieux message avait été tué avant de remplir sa mission. Bien des choses auraient été différentes si l'ordre du roi Visimir était parvenu au roi d'Edirn. Ciri révèle ensuite que le roi Visimir a été tué par un terroriste dans la nuit et que la Rédanie n'a plus de roi. Pour Tissaia, toutes ces révélations ne font qu'incriminer Philippa et ses alliés. Elle décide de lever le blocus magique et de libérer les quatre magiciens. Cela se révèle être une terrible erreur, car Francesca en profite pour ouvrir l'entrée des souterrains de Garstan, où s'étaient cachés des Scoia'tael, le magicien Rience, le mystérieux cavalier Nilfgaardien au casque ailé. À partir de là, une terrible bataille s'engage entre les magiciens. Plusieurs d'entre eux sont tués, d'autres sont gravement blessés. Tissaia réalise l'erreur qu'elle a commise, et tente de raisonner Vilgefortz et ses alliés, mais en vain. En désespoir de cause, elle finit par prendre la fuite. Yennefer entraîne Ciri loin des affrontements et lui ordonne de redescendre à Loxia, de trouver la rectrice Margarita Loanti et de se mettre sous sa protection.
Ciri ne veut pas la quitter, mais finit par obéir et prend la fuite. Elle manque de peu d'être coincée par Jens et Descoyatel, mais leur échappe en sautant par une fenêtre. Malheureusement, elle se fait attraper par Arto Terranova, le complice de Vilgefortz, qui compte bien être celui qui la remettra à l'empereur Aimir. Mais il se fait attaquer par Philippa sous sa forme de chouette, qui lui plante ses griffes dans les yeux. Geralt surgit au même moment et lui tranche la tête. Il dit à Ciri de fuir aussi vite que possible tandis que lui retiendra ses poursuivants. Il lui donne aussi son épée, en la prévenant qu'elle risque de devoir tuer pour la première fois. Puis elle prend la fuite. Elle se rend soudain compte qu'elle est poursuivie par le cavalier noir, dont on apprend qu'il s'appelle Cahir. La peur la paralyse pendant un instant, puis la fureur prend le pas et elle se jette sur lui. Elle le blesse sérieusement et est sur le point de l'achever quand elle découvre son visage sous son casque. Le terrible cavalier noir qui hantait ses cauchemars n'existe plus. C'est un jeune homme terrifié qui ne peut plus lui faire de mal. Elle l'épargne et reprend sa fuite. Les Scoia'tael rejoignent Cahir, mais avant qu'ils aient le temps de se lancer à la poursuite de Ciri, ils sont attaqués par Geralt. Le sorceleur les élimine tous sans effort, et il épargne le cavalier noir quand ce dernier lui révèle qu'il a en réalité sauvé Ciri lors du massacre de Syntra, en l'emmenant loin de l'incendie. Ciri disparaît dans Tor Lara, et avant que Geralt ne puisse la rejoindre, Vilgefortz surgit devant l'entrée. Le magicien tente encore de le rallier à sa cause, mais Geralt refuse et le provoque. Les deux hommes s'affrontent en combat, et le sorceleur réalise bien vite qu'il aurait mieux fait de prendre la fuite. Il se fait massacrer par Vilgefortz, qui lui brise le bras, la jambe et endommage d'autres parties de son corps. Il ne le tue pas, car cette correction doit simplement lui servir de leçon, puis il l'abandonne pour récupérer Ciri tout en haut de la tour. Quand il se réveille, Triss Merigold est auprès de lui pour l'aider à s'enfuir, car il ne doit surtout pas tomber entre les mains des Rédaniens après ce qu'il a fait à Dijkstra. Mais elle est trop faible et supplie Tissaia de l'aider à les téléporter loin de l'île. Le chapitre 5 est une rupture de rythme drastique, après un chapitre 4 explosif, mais il est riche en informations. Bien des semaines après le soulèvement de Taned, nous retrouvons Jaskier qui avait réussi à fuir l'île avant que les choses ne dégénèrent. Il est escorté par des soldats du roi Venslad de Bruges jusqu'à la rivière qui longe la forêt de Broquillon. Les soldats refusent d'aller plus loin et lui expliquent que les dryades sont devenues implacables et abattent tout humain sans avertissement. N'écoutant que son courage, Jaskier traverse la rivière et entonne une chanson, accompagnée de son luth, dans l'espoir que les dryades, réputés pour leur goût de la musique, l'épargnent. Son plan fonctionne et il retrouve enfin Geralt, qui avait été téléporté par Triss avec l'aide de Tissaia. Le sorceleur est dans un état pitoyable qui fait de la peine à Jaskier. L'affrontement avec Vilgefortz l'a non seulement détruit physiquement, mais la perte de Ciri et de Yennefer l'a détruit émotionnellement. Geralt lui demande ce qu'il s'est passé après le soulèvement de Taned, et Jaskier lui raconte les événements qui ont suivi dans les royaumes du Nord. L'Empire du Nilfgaard a attaqué les royaumes de Lyrie et d'Edirne, sous prétexte que l'armée du roi d'Emawend avait précédemment donné l'assaut sur Dolangra. Certains disent que les assaillants n'étaient pas des soldats nordiens, mais bien des Nilfgaardiens déguisés. L'attaque éclair menée par l'Empire laisse à penser que son armée était rassemblée depuis longtemps à Dolangra. Le royaume de Rivi a capitulé au bout de 2 jours de siège, contre 1 semaine pour la capitale de la Lyrie, Vengerberg. Suite à l'assassinat du roi Visimir, la Rédanie était en plein chaos et n'a pas pu venir à l'aide des Dirnes comme initialement prévu. En Temeri, le roi Foltest a préféré préserver son peuple plutôt que de venir en aide à Edirne et a conclu une trêve avec un ambassadeur Nilfgaardien. À Kedwen, le roi Anselt a conclu un traité avec Nilfgaard, lui permettant de récupérer une partie des terres de son voisin Edirne sans lui apporter son aide. Outre la volonté d'expansion de Nilfgaard, la guerre qu'il mène est aussi une vengeance en mémoire de la bataille de Soden. Mais elle a également un but financier non négligeable, qui vise à enrichir l'Empire, en leur permettant de s'emparer de toutes les ressources des royaumes ennemis, les produits agricoles, le bétail, les équipements des fonderies et autres manufactures, mais surtout les habitants de ces terres, qui, une fois mis en captivité, deviennent une main-d'œuvre bon marché pour Nilfgaard. Une fois les royaumes dépouillés de toutes leurs ressources, le mot d'ordre est de les transformer en cendres. Du côté des magiciens, ils ont perdu la confiance des souverains du Nord
après le soulèvement de Taned, et se sont enfuis ou ont été chassés, et ils vivent désormais cachés. Vilgefortz a disparu, et personne ne sait où il se cache. Son alliée, Francesca Findaber, est devenue la reine des elfes libres de Dol Blathana, au prix d'un accord conclu avec Nilfgaard, la Téméri et Kedwen. Tissaia de Vrys, rongée par la culpabilité d'être responsable des événements de Taned, se suicida après avoir rédigé une longue lettre que l'on imagine remplie de remords. Dans la deuxième partie du chapitre, nous nous retrouvons pour la première fois à Nilfgaard, au sein de la cour de l'Empereur. Une assemblée exceptionnelle a été conviée pour accueillir Cirilla, la princesse de Sintra. L'Empereur Émir la reçoit en personne, lui promet sa protection ainsi que le trône qui lui revient de droit. Un peu plus tard, l'Empereur réunit en secret quatre hommes auxquels il confie des missions de la plus haute importance. Il charge le mage Xarticius de retrouver la trace d'une personne dont nul ne connaît la position actuelle, et s'engage à lui fournir sa date et heure de naissance, ainsi que des cheveux. Le vicomte Vatier de Rideau, le chef de l'espionnage militaire, est chargé de retrouver Riens et le chevalier Cahir, tous deux étant désormais désignés comme des traîtres à la nation. Le quatrième se nomme Stefan Skellen, surnommé Chahuan, il est le coroner de l'Empereur. Émir explique que la personne que le mage doit retrouver se trouve très certainement avec Vilgefortz. La mission de Skellen est donc de former une équipe pour les retrouver, mettre la personne en sûreté, et abattre tous les autres magiciens, Vilgefortz y compris. L'Empereur leur révèle que la jeune fille qu'il a reçue n'est pas Cirilla, car il saurait la reconnaître n'importe où. Cependant, son sosie doit rester aux yeux de tous la princesse de Sintra, pour raison d'état. Le chapitre 6 se focalise sur Ciri et est un moment très important dans sa psyché et pour la suite de la saga. Après avoir quitté Geralt sur l'île de Taned, elle est montée dans Tor Lara, la tour de la mouette. Elle a franchi un portail défectueux qui l'a téléportée à des centaines de kilomètres de là, dans un désert inconnu. La téléportation a été brutale et lui a causé plusieurs blessures. Ciri est désormais seule, perdue et blessée dans cette fournaise d'où elle n'entrevoit aucune issue. Les journées sont ardentes, et les nuits glaciales, et la faim et la soif la tiraillent sans arrêt. Au début, elle réussit à mobiliser sa volonté et sa force mentale pour se contraindre à marcher, afin de quitter ce terrible endroit. Elle tente plusieurs fois d'utiliser les enseignements de Geralt et de Yennefer, mais elle finit par se rendre compte qu'elle tourne en rond dans le désert, et elle perd peu à peu espoir. Sakoski a une façon très habile de nous mettre dans la peau de Ciri, et de nous faire ressentir toutes les émotions et les doutes qui la traversent. Nous voyons grâce à lui l'extraordinaire résilience de notre héroïne, et surtout la façon dont elle lutte pour ne pas basculer dans la folie. Ciri est persuadée d'avoir été de nouveau abandonnée de tous, et cela nous renvoie à ce qu'elle a vécu quelques années auparavant, suite au massacre de Sintra, et à son errance à travers les terres ravagées par Nilfgaard. Après plusieurs jours de marche, passée à manger des œufs de lézard et autres insectes, Ciri découvre avec incrédulité une jeune licorne, un animal qui est censé avoir disparu, et qui semble perdu tout comme elle. La licorne la guide vers une source d'eau, puis elles se remettent en route ensemble. Bien que l'animal soit farouche, elle s'entraide pour trouver de quoi se nourrir, et cette compagne de voyage peu ordinaire redonne un peu d'espoir à Ciri. Après plusieurs jours passés sans trouver d'eau, elle tombe dans un piège de sable, creusé par un horrible monstre du désert. Ciri parvient à s'en sortir au prix d'un rude combat, mais la licorne est sérieusement blessée à la cuisse. Elle tente de continuer à avancer, mais le poison du monstre infecte la blessure de la licorne, et bientôt, elle devient trop faible pour marcher. Ciri est désespérée et ne sait quoi faire pour la sauver. En désespoir de cause, elle décide de puiser la force dans le feu, ce que Yennefer lui a toujours interdit car c'est le foyer d'énergie le plus dangereux des quatre qui existe. Elle parvient à le maîtriser, et utiliser la magie pour soigner la cuisse de la licorne qui était sur le point de mourir. Mais elle se laisse emporter par sa réussite et par l'exaltation provoquée par le feu. Ciri se retrouve face au spectre de Falca que Codringer et Fenn ont évoqué avant d'être assassinés. Falca tente de la séduire avec le pouvoir du feu et de la convaincre d'oublier ses proches et de se venger de tous ceux qui lui ont fait du mal, de semer la haine et le feu dans le monde. Ciri est terrifiée et a des visions cauchemardesques de ses amis, et de Geralt et de Yennefer, torturés et mis à mort. Elle rejette violemment Falca,
et la repousse, renonçant également à la force avant de perdre connaissance. À la suite de cette altercation, Siri ne ressent plus rien, seulement un grand vide, et reste pendant longtemps dans un état catatonique. Rien ne parvient à briser sa léthargie, pas même les hommes qui la retrouvent et l'emmènent avec eux, et pas même la vue d'un chevalier noir aux ailes de rapace gravées sur le casque. Ce dernier chapitre est la suite directe du précédent et se focalise également sur Siri. Nous découvrons que le portail défectueux de Tor Lara a téléporté Siri à une distance inimaginable, dans le désert de Korath, situé dans le sud lointain. Ce désert est surnommé le Fourneau, et rares sont ceux qui ont réussi à y survivre. Le mage Xartissus, employé par l'Empereur, avait prédit avec plus ou moins d'exactitude l'emplacement de Siri, et l'ordre avait été donné au préfet d'Amarillo, la ville la plus proche, de lancer d'importantes recherches pour la retrouver. Le préfet dépêcha une bande d'esclavagistes, surnommée Attrapeurs, menée par le chevalier Swirth, qui la trouvèrent non loin de la rivière aride. Siri, bien que toujours apathique, comprend qu'elle est tombée entre les pattes de Nilfgaard et qu'elle se trouve sur les territoires occupés par l'Empire. Elle tente discrètement d'utiliser la magie, mais lorsqu'elle constate qu'elle n'en est plus capable, elle se referme de nouveau sur elle-même. Leur groupe est attaqué par un chevalier du clan Varnagen, un ennemi juré du chevalier Swirth. Les deux hommes s'affrontent et s'entretuent, et Siri tente de s'échapper, mais Quinar, le chef des esclavagistes, la rattrape instantanément avant de la battre. Les attrapeurs sont désormais seuls et ravis de pouvoir revendiquer la récompense pour eux-mêmes. Le groupe se dirige en direction d'Amarillo et font escale à l'auberge du village de Glisswen. Ils rencontrent une autre bande, les Nissir, au service du baron de Tifa. Ils ont capturé Kayleigh, un jeune bandit faisant partie d'une célèbre bande de brigands nommée les Rats, ayant commis de nombreux méfaits dans la région. Siri est attaché près de Kayleigh, qui lui chuchote qu'il a besoin de son aide, car ses acolytes vont venir le sauver. Mais ils doivent réussir à se détacher, pour survivre à la bataille qui va se déclencher. Siri refuse tout d'abord de l'aider, mais lorsqu'elle entend les Nissir parler de la violer, Kayleigh apparaît comme son dernier espoir. Elle réclame à manger à l'aubergiste, et réussit à le convaincre de lui glisser discrètement un couteau. Encouragée par le jeune garçon, elle commence à scier les liens qui l'attachent, quand tout à coup, une des fenêtres de l'auberge vole en éclats. La bande des rats surgit et attaque les attrapeurs et les Nissir. Très vite, il ne reste que Quinar, qui tente sans succès de tuer Siri, mais elle ne cesse de l'esquiver. Les rats décident de lui donner une épée afin que la lutte soit loyale, mais Siri continue de l'esquiver alors qu'elle est pourtant plusieurs fois en position de le tuer sans souci. Les rats se rendent compte qu'elle n'arrive pas à s'y résoudre et l'une d'entre eux, nommée Missel, se charge de l'achever. Le groupe prend ensuite la fuite, poursuivi et attaqué par les paysans du village. Siri échappe de justesse à la lance d'un paysan et le frappe de son épée, un geste qui la traumatisera pendant longtemps. Ils échappent à leurs poursuivants et se replient dans une de leurs cachettes après une longue chevauchée. Lorsqu'ils sont enfin en sécurité, leur chef, Ghiselaer, interroge Siri pour savoir qui elle est et d'où elle vient. Elle reste tout d'abord muette, de peur de se faire livrer à Nilfgaard, mais finit par leur répondre qu'elle n'a pas besoin d'eux et qu'elle peut tout à fait se débrouiller seule. Ghiselaer lui rétorque que celui qui est seul est condamné à mourir, puis il lui offre chacun un présent en guise d'acceptation au sein de leur bande. Siri se choisit un nouveau nom, Falca. Quelques jours plus tard, nous retrouvons le préfet d'Amarillo, en compagnie de Stefan Skellen, le coroner de l'Empereur. Le préfet interroge un soldat qui est le seul rescapé d'un massacre perpétré par les rats. Le soldat lui explique que la bande des rats compte désormais une septième membre, une toute jeune fille qui l'a blessée au visage. Skellen lui demande si elle avait des cheveux clairs, ce que le soldat confirme avant de sortir. Le préfet explique que les recherches ordonnées par l'Empereur pour trouver la jeune fille n'ont rien donné, mais il se demande si elle ne serait pas la fameuse septième membre de la bande des rats. Skellen, sachant que l'intuition du préfet est correcte, réussit à le convaincre que son idée est ridicule, et lui ordonne de capturer les rats par tous les moyens possibles, et de les tuer tous sans exception. Les prochains romans nous dévoileront les raisons pour lesquelles Skellen va à l'encontre des ordres de l'Empereur et cherche à faire tuer Siri. Il y a énormément de choses à dire sur ce quatrième tome,
mais je vais limiter mon analyse globale à deux points fondamentaux. Le premier point, c'est le soulèvement de Taned, dont j'aimerais souligner l'importance capitale. C'est l'événement central du roman, mais aussi de toute la saga selon moi. Il a des conséquences d'une ampleur inimaginable sur l'ensemble du récit, sur nos héros, mais aussi sur tous les habitants du continent. J'aimerais me focaliser sur les conséquences qu'il entraîne pour Geralt et Ciri, qui sont pour moi le cœur de cette saga, même si Yennefer a bien évidemment un rôle extrêmement important. Les trois premiers chapitres représentent l'espoir de ces deux personnages et la part d'innocence qu'ils possèdent, à la manière d'une courbe qui monte. Taned stoppe brutalement cette courbe, puis elle dégringole lors des trois derniers chapitres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'espoir, ni de foi. Dans ma vidéo sur le sang des elfes, j'avais brièvement abordé la relation que Sapkowski entretient avec ses personnages et la façon dont il s'investit pour les écrire de la façon la plus juste possible. Je suis assez impressionnée par sa maîtrise du personnage de Ciri et par la justesse de ses émotions, de ses pensées, de ses doutes et même de ses actions. En tant que femme, je trouve que Sapkowski a parfaitement su saisir l'esprit d'une jeune fille et ses réactions face à certaines situations. Le deuxième point de mon analyse, c'est la notion de décision et de conséquence, qui selon moi est l'essence même du sorceleur. Sapkowski avait déjà fait usage de cette notion dans les autres romans, rien que dans le premier recueil de nouvelles, et attention, je vais spoiler. Geralt choisit de sauver la Strige plutôt que de la tuer, d'enquêter sur la mort du marchand et de sa fille, tuée par la Brooks, d'affronter la bande de Renfrie, de ne pas tuer le chevalier hérisson à Sintra, d'épargner le diable de la vallée aux fleurs, et d'utiliser son dernier vœu pour sauver Yennefer. Dans ce livre, Sapkowski réutilise ce principe à chaque chapitre. Dans le chapitre 1, l'elfe Skoyatel qui tue le coursier Applegat empêche le précieux message de parvenir au roi des Mawend. Les rois ne pourront donc annuler l'attaque sur Nilfgaard, ce qui déclenchera une guerre d'une violence inégalée. Dans le chapitre 2, la fuite de Ciri permet que Geralt et Yennefer se retrouvent et se réconcilient. Grâce à cela, Geralt est convié à l'assemblée de Taned. Dans le chapitre 3, Geralt et Yennefer choisissent de ne pas rejoindre Ciri et Jaskia à Loxia, et de passer la nuit à Arethusa. Cela a une conséquence directe sur le quatrième chapitre, à savoir le choix de Geralt de sortir se soulager dehors durant la nuit, ce qui lui causera d'être témoin du putsch mené par Philippe à Elar, et de devoir intervenir. Dans le chapitre 5, c'est le choix de Jaskier de braver sa peur et de s'approcher de la forêt de Broquillon, alors qu'il peut être tué à tout moment, et de chanter pour les Dryades. Cela lui vaudra non seulement de ne pas être tué, mais de retrouver Geralt. Dans le chapitre 6, le choix de Ciri de renoncer à la force aura des conséquences tout au long de la saga, mais surtout dans le dernier chapitre du septième roman. Ne vous inquiétez pas, je ne spoil pas, mais je vous invite à garder cette information dans un coin de votre mémoire. Enfin, dans le dernier chapitre, la décision de Ciri d'aider Kaylee dans l'auberge leur sauve la vie à tous les deux. C'est bien entendu une analyse personnelle du roman que je vous fais. Vous aurez donc certainement un avis différent de cette notion de choix et de conséquences. Peut-être même que pour vous, ils sont complètement différents des miens. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, car je suis curieuse de connaître vos impressions. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à vous pour votre attention si vous êtes arrivés jusqu'ici. Nous attaquerons la prochaine fois le cinquième roman, intitulé Le baptême du feu, qui est généralement considéré comme le meilleur de la saga par les lecteurs. Vathael.